Yeah, welcome to Serbia. Eh bien, salut les amis, je suis... on est déjà en Serbie. Ouais, on est à Novi Sad. Ça y est, on est arrivé, enfin. On est dans le repère de la Croustille. Je suis en compagnie de Iggy TV. Non, pas exactement. Je suis en compagnie de Darkan, membre éminent de Semi-Croustillant, de la FEC, du circuit, que tout le monde connaît. Et je suis aussi en présence de Winston. Max. 76, Max. Tim Pipoudou. Tim Pipoudou, bang bang. Donc bah, je suis en présence tout simplement de joueurs de la délégation française. Donc bah, vous allez être joueur sur le tournoi individuel et vous allez être aussi joueur dans le tournoi par équipe. Darkan, toi tu vas jouer avec l'United Nation. Ouais, avec... Vas-y. Bah, je vais jouer avec Olivier, donc vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Père Castor, ouais, pardon. Et ainsi qu'avec un tas d'autres gens venant d'autres pays. Donc Olivier vous a déjà fait la liste, je ne reviendrai pas dessus. Surtout que je ne m'en souviendrai pas plus que lui en fait. Donc du coup, solo pour toi et en équipe avec l'United Nation. Et tu vas jouer? Alors moi je vais jouer GI. Okay. Uniquement GI et un tout petit peu de Custodes. Okay. Vraiment un tout petit peu. Et du coup Max, toi bah, c'est pareil, tu viens faire l'ESC. Ouais. Et tu viens aussi faire l'ETC puisque tu renforces la team slovène. Ouais. En compagnie de Toket, Grimjolo, que je remercie encore de me permettre de participer à cet événement. C'est super cool. Et Vras aussi. Ouais. Vous êtes 4 Français dans cette équipe, du coup. Ouais, c'est pas mal. C'est ça slovène, de ne pas avoir le droit d'être l'équipe slovène, en fait. Ouais. Parce que c'est le nombre maximum en fait, de mercenaires dans une équipe, puisque pour faire une équipe nationale, il faut au moins 4 joueurs avec la nationalité. Donc voilà. Intéressant aussi de savoir que toi, bah, ça a été ta première année sur le qualif. Pas qualifié, qualifié et première expérience dans un tournoi international, et ça va vraiment être cool. J'ai de la chance d'y participer et maintenant il n'y a plus qu'à quoi. Et ton objectif pour ce tournoi? Déjà apprendre à jouer en anglais, ce sera déjà pas mal. Et toi, du coup, on n'a pas dit, mais tu joues quoi? Donc ça sera Ika, Mecha, Blood Angel. Et pour le TC, du coup, ça sera une liste avec Mortarion, Triple Lord Disco et un petit peu de Southern Sun. Ok. Ce que je vous propose, tout simplement, ça va être, on va faire comme on a fait jusqu'à présent, c'était présentation de votre armée. On fera une présentation sommaire de votre match. D'ailleurs, on va la faire maintenant, en vérité, la présentation de votre match-up. Mm-hmm. Non, on va pas la faire maintenant, c'est complètement faux. On va faire présentation de votre armée, que vous nous expliquiez un petit peu les structures de votre conception de liste. Pour toi, on montrera uniquement l'armée Skitari IK, ouais. Parce qu'après, ça fait trop long, hein, les formats vidéo, ça fait trop de choses à montrer. Mais donc voilà, on montrera le Skitari IK et puis tu vas nous montrer tes belles chimères. Oh oui, j'en ai tellement. Toi pareil, alors en termes d'objectifs Darkan sur ce tournoi? Alors moi sur le SC, c'est surtout de traîner la liste en fait. C'est une liste que j'ai très très peu jouée dans l'ensemble et donc je suis là pour voir un peu comment elle fonctionne, comment elle évolue. Pour qu'après j'arrive à l'ETC en étant capable de leur dire « là je suis capable de sauver des points, là j'en mets, là c'est mort ». Donc là j'ai déjà pas mal réfléchi, on a déjà pas mal travaillé les estimés. Maintenant, reste à voir si mes hypothèses sont vraies. Ok. Et en plus, mon premier match est un peu vénère. C'est quoi ton premier match? Alors, c'est contre un démon qui a à peu près tout pour me faire chier, c'est-à-dire des trucs qui pètent mes chimères comme si j'avais rien été. Genre, cette saloperie de Silesque, le contorti d'Epitome, le prince démon de corne avec le Skull River, le machin. Machin qui découpe de la chimère par paquet de deux. Ouais. 60 Plague Bearer, 20 Horreur. Et moi, derrière, je suis censé marquer des points contre cette merde. Donc ça va être long. Ça va être compliqué. Ouais, je n'ai pas beaucoup de plans à part sauver mon cul demain. Et toi du coup ton premier match? Donc du coup c'est contre le joueur IK de l'équipe de Roumanie. Donc c'est un match quasi miroir parce que donc, le gun sort un détachement Admech, Graia pareil, donc 2 Ingenseer, 3x5 Skitari. Et un super Lorecrast avec un galant et 3 Crusader, Obusier et Nacelle de Missile. Ok, alors fort intéressant. Alors du coup je voudrais aborder avec toi parce que c'est l'occasion aussi en termes d'objectifs et on ne l'a pas encore abordé sur les deux premières séries. Ça va être la question de la fatigue. Alors parce que pour moi c'est un facteur qui est assez important, notamment pour les joueurs, alors comme vous deux pour le coup, mais je pense peut-être sur le format ETC, ça doit être plus d'expérience que Max. Le fait de faire 6 parties
en deux jours, le mercredi, jeudi, et d'enquiller sur un ETC avec 6 parties aussi, là pour le coup en 3 jours, effectivement, tu vas train ta liste, donc t'as une prise en main de la liste qui sera évidente sur 6 parties. Tu vas avoir sans doute 6 match-up différents. Néanmoins, tu vas accumuler le facteur fatigue en contrepartie. Comment t'appréhendes ça? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que ça te passe sous la jambe? Ou est-ce que t'es une machine de guerre qui ne connaît pas la fatigue? Je vais être très franc, je ne l'ai pas appréhendé du tout. Je n'y ai même pas réfléchi. D'accord. Très honnête. Tu vas te le prendre. Je vais voir au fil de l'eau. Après, moi, j'ai commencé les qualifs ETC à l'époque où on faisait 3 parties par jour le samedi. Oui. Et des parties de 3h30. Donc, on terminait à 22. Là, il est question de terminer 2h plus tôt. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup plus peur de l'impact de la cloque sur ma façon de dérouler la partie, plus que sur ma fatigue. D'accord. Mais ça, c'est là maintenant, avant de l'avoir fait. Peut-être que demain, j'aurais changé d'avis une fois que j'aurais fait une première journée comme ça. Mm-hmm. Et dans tous les cas, il reste la possibilité, dans la mesure où moi, je ne m'attends pas à faire un très très gros score à l'ESC et qu'en plus, mon premier match a l'air d'être assez daubé. Et l'inconvénient de l'ESC, c'est qu'une fois que tu as perdu ton premier match, tu sais déjà que le podium, tu l'oublies. Oui, c'est bien sûr. Possible. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ça veut dire que mon objectif de demain matin, ça va être de sauver le maximum de points possible. Si jamais j'y arrive, tant mieux, mais je ne m'attends pas à gagner. Donc si je gagne là... T'es content? Ouais, je ne dirai pas ce que je fais parce que j'ai très peur de dire ça face vidéo. Ouais. Et, mais t'es content. Ouais, je serais extrêmement content, effectivement. Et au pire, je sais que j'ai d'autres collègues de United Nations qui ont dit que, notamment notre capitaine qui s'est tapé 24 heures de route quasi non-stop, qui a dit qu'il participe à l'ESC et si jamais le dernier jour de l'ESC, il ne se sent pas de finir et qu'il a besoin d'aller pioncer, il préfère abandonner l'ESC et aller pioncer pour être en forme pour l'ETC. Bien sûr. Et je pense que je vais adopter cette stratégie-là si jamais je sens que c'est chaud. Et en contrepartie, bah Max, toi, c'est, comme tu l'as dit, c'est globalement plus ou moins tous sur la délégation française, hormis Pierre Castor et quelques autres comme Toquette, Vraz, qui était déjà l'année dernière. Ça reste des expériences assez on va dire, exceptionnelles, ce genre de tournoi, avec ce genre de qualité de joueurs qu'on va affronter, et puis la diversité de la méta qui va nous être proposée aussi. Comment, toi, t'appréhendes cette compétition en tant que joueur? Et qu'est-ce vraiment tu es venu chercher, on va dire personnellement, en termes de niveau de jeu? Bah, déjà, un grand niveau de jeu, sortir aussi, voir une méta internationale, la vraie méta actuelle. Parce que mine de rien, dans notre région, on est quand même dans un milieu assez fermé en Normandie et on tourne vite en rond. Donc, chercher cette expérience-là et puis se mesurer un petit peu aussi au gros poisson, quoi, pour pouvoir après power up et s'engager avec l'équipe l'année prochaine et pouvoir apporter une expérience. Ouais, carrément. Je pense ça me semble être un point de vue très judicieux. On l'a globalement. Enfin, je pense que le schéma a bien marché au vu de du développement du circuit qualificatif français avec un nombre d'équipes record, de l'engouement sur le territoire français pour les tournois. Et là, on se retrouve avec un ETC et un ESC remplis de Français, avec des Français dans plusieurs équipes nationales. Alors là, en plus, on parle de 40K, mais il y en a aussi dans tous les jeux, des représentants. Il y a 3 équipes françaises à Underworld, il y a des mercenaires français à 9e âge, il y a une équipe de France, il y a vraiment un gros contingent Wargame français, et je pense que cette plus-value en termes de jeu, après toi tu vas venir la ramener sur le territoire national au niveau de ton équipe, et tout ça va dynamiser les groupes de joueurs, va dynamiser les gens, et qui fait qu'on aura sans doute 200 Français au Luxembourg en 2020. Ah si seulement. On se retrouve tout de suite pour la présentation de vos armées. On est avec l'ami d'Arkane qui va nous présenter son énorme armée garde impériale, full garde impériale avec une pincée de custodes. Je te laisse la parole, d'Arkane, pour nous présenter tout ça. Eh bien sûr. Alors, déjà, il y a 3 détachements dans cette armée. Donc, le premier détachement, c'est une brigade Talarn qui contient 60 gardes, 9 mortiers, 3 sentinelles, 1 compagnie commandeur, 2 tempestors, un platoon commandeur et 2 escouades de commandement Sion full plasma. Alors ce détachement est un détachement Vigilus de l'Emperor's Wrathblade, je ne sais plus. Bref, c'est un détachement qui permet de booster un petit peu les chimères, notamment en les autorisant à faire débarquer une unité après avoir bougé. Donc cette unité ne peut pas bouger dans la même phase, mais elle peut bouger dans les phases suivantes. Donc ça permet notamment de leur lancer l'ordre go 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 pour aller leur permettre de chercher un objectif très loin. Ça leur permet aussi de lancer une charge beaucoup plus facile. Donc pour aller étitiller de la backline ou aller prendre un objet et le contester plus facilement.
J'ai aussi un bataillon Talarn, mais qui lui n'est pas Vigilus. Donc en fait, vous allez voir, il y a 30 GI qui ont des élastiques. Et en fait, j'ai utilisé ces GI-là pour pouvoir les différencier in-game et pour être certain qu'il n'y ait pas de dilemme avec mon adversaire. Donc ces gardes-là ne peuvent pas bénéficier du stratagème Vigilus. Et après, dans ce détachement, il y a deux compagnies commandeurs en plus. Voilà, c'est un bataillon. C'est les Loyal 32, comme les appellent nos amis anglais. C'est là pour me filer 5 CP. Et le dernier détachement, c'est une petite patrouille Custodes. Il y a trois Custodes, Bouclier Tempête et Lame Sentinelle, ainsi qu'un patron Custodes qui est mon seigneur de guerre. Alors ce détachement, il a deux intérêts. Le premier, c'est de me donner l'accès à tous les stratagèmes Custodes, et notamment un qui m'intéresse tout particulièrement. C'est le stratagème de l'œil de l'empereur de mémoire. En tout cas, c'est celui qui me permet pour un PC de défausser un objectif Maelstrom pour en repiocher un autre. Et après, ça me donne un seigneur de guerre qui a pour deux PC une reroll individuelle par tour, qui a le trait de seigneur de guerre moins 1 pour être touché, qui a une relique qui lui donne une 3+ invulnérable et la reroll des charges. Bref, ça me donne un seigneur de guerre qui est borderline intuable et qui donc va me permettre de ne pas donner ce point-là à mon adversaire. Donc, c'est une liste qui reste, à mon sens, assez conceptuelle, dans la mesure où elle ne se situe pas forcément dans les grands axes de la méta, sachant que, on va dire, surtout sur du. Alors, tu la prends pour du tournoi solo, en l'occurrence. On est plus généralement sur de l'Imperium Soup, où il y a un mélange un petit peu de tout. Alors là, il y a un mélange de Custodes et de Garde. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez atypique, avec sans doute un gameplay qui l'est tout autant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de cette liste, en fait, de jouer ce genre de construction? En fait, c'est un genre d'enclume, quoi. Le plan, c'est vraiment de marquer le plus de points au Maelstrom à l'éternel possible. On va pas faire trop de dégâts, encore que il y a quand même du plasma, il y a quand même un bon volume de tir, et le Talarn me permet notamment de faire plutôt pas mal avec les chimères. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, voilà, c'est une liste qui est plutôt basée pour de la défense, qui a été conçue pour vraiment être la liste à laquelle on met pas zéro. Aujourd'hui, dans mes estimés, je pense qu'il n'y a que la 4K qui vraiment me casse en deux sans même me laisser la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc je vais vérifier ça pendant l'ESC. Donc c'est un risque en fait que j'ai pris de vouloir jouer ça à l'ETC et à l'ESC pour tester ça. Et puis surtout, c'est une liste qui est extrêmement riche en gameplay, en petits tricks qui sont possibles de sortir, etc. Et en fait, c'est extrêmement formateur à jouer. Ok, donc comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu affrontes sur ta première ronde Ouais. un démon roumain. Est-ce Un qu'on peut... démon hongrois, Un démon exactement. hongrois. Donc tu nous as dit que c'était un match-up qui ne t'était pas très favorable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tu conceptualises ce match? Ben, je le conceptualise très mal en fait. C'est le gros problème, c'est qu'il a une base de super OP qui va m'empêcher de scorer comme je le voudrais. Et là où je m'étais dit initialement, bon, ben, il a très peu de troupes. Il joue des Plague-Bearers, mais il n'a pas le Féculent Tonnerre le Maw qui lui permet de désengager et de charger. Donc ça veut dire que je vais pouvoir me vautrer dans ses plagues et en fait l'obliger, l'empêcher de bouger ad vitam aeternam. En fait, il y a peu de chances que ça marche cette affaire parce qu'il a deux à trois, plusieurs personnages qui vont me mettre vraiment des bâtons dans les roues. Le premier, c'est Silesk, le personnage de Slaanesh, une espèce de géant avec une démonette sur le dos qui fait extrêmement mal tant aux chimères qu'à leur contenu. Alors heureusement, si c'est lui qui charge, il ne peut pas tuer les deux, mais ça veut dire que moi, je vais devoir faire super attention à ne pas me mettre à portée d'intervention héroïque, mais en même temps, je vais quand même avoir envie de me vautrer dans les plagues qui vont, eux, être à 3 pouces du bonhomme, enfin bref, ça va être chiant. Le contortier des pitômes qui va m'empêcher de désengager, même si ça, en vérité, de prime abord, ça n'a pas l'air de trop me déranger, ça peut juste m'enlever des solutions, et après, il y a ce prince démon de corne qui fait extrêmement Qui va mal, et sabrer de la après... chimère à l'appel. Voilà, et après, il y a les deux princes démons de Tzeentch plus Ahriman qui charge plus mortel à un Bien moment, sûr. ils vont finir par me les casser. Donc en fait, ça va être très compliqué. Lui, je sais qu'il va mettre les objectifs plutôt au milieu, a priori, puisque Ouais. lui, ça, il va vouloir prendre le Bien milieu. sûr. Moi, je vais donc, du coup, en réponse, devoir prendre plutôt les côtés pour essayer de le forcer à se disperser et qu'il puisse pas venir me chercher partout. Parce que si on met tout au milieu et qu'on décide de mettre l'affrontement au milieu, en fait, ça veut dire que tous ces personnages, ils pourront venir me taper quand ils veulent, où ils veulent. Bien Alors moi, sûr. c'est pas ça que je veux. J'ai besoin de dépolariser absolument la game et j'ai Oh, plusieurs t'as possibilités placé pour ça. dépolarisé comme T'as ça. vu un petit peu C'était comme ça? vraiment, c'était C'est vraiment stylé. bien. Et donc, bah moi, je joue Talarn. Donc l'avantage, c'est que je peux faire arriver une chimère par un côté de table. Donc ça peut me permettre de dépolariser. J'ai les Sions qui peuvent me permettre de fait pour dépolariser aussi, pour le forcer en fait à venir me chercher. Donc bon, on va essayer des choses. Je vise un 5 demain.
Ok, bah écoute, on fera un tour de toute façon sur ta table et on te suivra sans aucun doute sur au moins une ronde de l'ETC, de l'ESC. Et puis de toute façon, on te suivra aussi sur l'ETC. Donc bonne chance à toi pour la suite. Et bien merci. On te remercie de t'être présenté, de nous avoir présenté ton armée. Et on va de suite passer à la présentation de l'armée de Max. Ok, bah, présentation de l'armée de Max. Donc bah, comme on l'a dit tout à l'heure, Max vient pour la première fois sur une compétition internationale, bah, comme plusieurs d'entre nous aussi. Et lui, il a la particularité de jouer deux armées, une pour l'ESC, une pour l'ETC. L'ESC qui est vraiment son armée de cœur, où il joue une soupe impériale basée sur les Imperial Knights. Et pour l'ETC, il va jouer une liste qui lui a été un petit peu plus imposée par ses teammates qui tournent autour du démon. Donc on passera sur cette liste démon, on va plutôt parler de sa liste de cœur. Je te laisse la présenter, Max, vas-y, raconte-nous tout. Bon, écoute... Donc on va commencer avec un bataillon Blood Angel, donc un Smash Captain classique. J'ai fait le parti pris de n'en prendre qu'un seul pour vraiment le booster à fond, quitte à ce qu'il aille mourir, qu'il puisse avoir tous les buffs et faire le boulot qu'il a à faire, ni plus ni moins. Un Dread Librarian, parce que bah, toujours pareil, hein, depuis le chapter il vaut vraiment le coup, il va plus être là en gardien de but, mais il fait clairement le boulot. Ensuite en choix de troupe, donc on va avoir 2x5 scouts, équipés de couteaux pistolets. Et 5 infiltrateurs, donc la répulsion de 12 AFEP, franchement c'est vraiment pratique, surtout quand on a un gros IK fond de cours avec tous les skitari, mine de rien ça vole facilement. Ils sont pas si simples que ça à faire tomber et ça évite largement de se faire attraper par un petit culte qui vient se promener ou de se faire loquer bêtement par un pack de motos ou autre quoi. Donc voilà, ensuite un détachement skitari avec une petite fantaisie, deux petites arquebuses, hein, force 7, permanent 2, D3 qui ciblent des personnages, ça fait toujours plaisir. Donc en Graia, pour pareil, pouvoir appuyer juste sur un 4+, pour des sorts qui sont vraiment importants, comme un des sexes ou quoi. Sur les IK, ça fait vraiment pas plaisir, donc si on peut l'en priver, ça fait pas de mal. Et ensuite, donc un détachement super lourd de la maison Krast, avec un galant, donc classique à poil, hein, mais il fait le taf à lui tout seul. Un Crusader en canon thermique pour avoir un petit apport en PA, une nacelle de missile Iron Storm, Gatling, et un autre... Crusader, donc en obusier, un petit peu de saturation avec une bonne force. Autocanon Icarus, il restait 4 points, je ne savais pas trop quoi mettre, parce que c'est une bonne idée, ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà quoi. Ok, on a fait le tour. Alors quand tu nous as présenté ton détachement, il me semble que tu as fait l'impasse sur tes deux Tech Priests. Oui, les deux Tech Priests, voilà, qui synergisent très bien aussi avec de l'IK. Qui permettent surtout de faire bénéficier les IK des quantiques de l'Omni-Messie. Ouais. Et ça, c'est mine de rien, c'est pas anodin. Ouais. Le petit PV aussi qui fait plaisir, voire deux, avec un petit stratagème pour leur donner deux PV, c'est ce qui peut faire passer un palier. Ça paraît occasionnel, mais des fois, bah, ça sert vraiment. Quoi. Alors ton choix de la maison Krast, intéressant. Pourquoi la maison Krast? La maison Krast, en fait, elle est très violente, déjà, de base. Et en fait, elle permet d'apporter une vraie fiabilisation aux IK. Donc là, le Crusader avec l'obusier, par exemple, il y a de fortes chances demain qu'il soit en First Knight, donc pour pouvoir avancer tous les jets de touche de 1. Et bah, malheureusement, on n'a pas beaucoup de fiabilisation au niveau du tir chez les IK. Donc c'est vraiment un bon apport. Ensuite, donc, tout ça dans le but d'économiser des PC aussi, parce qu'après on peut faire bénéficier du quantique de la relance D1, mais ça sera que sur un tour, voire deux pour deux PC, enfin trois PC avec Knight of the Cox, qui revient assez cher quand même. Donc ça, au CAC, ça relance tout. Donc, enfin, tous les jets de touche, quand ça a été chargé ou fait une intervention héroïque, donc évidemment ils passent tous personnage. Et ouais, donc ça fiabilise au tir, ça fiabilise au CAC. Sur le KO, ça rigole vraiment pas non plus. Ils ont un stratagème qui permet de faire 3 touches au lieu d'une sur un 6. Et quand on commence à rentrer avec un galant qui a sénéchal avec 18 attaques et que sur chaque 6, ça fait 3 touches au lieu d'une, ça pique. Les packs d'horreur, les Tsangor, tout ça, ça aime pas trop en général. Ouais. Sur ton premier match, tu vas affronter. Donc une liste IK aussi, et une liste IK Krast, ouais. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 3 Crusaders avec obusier, Gatling et nacelle de missile, et un détachement 3x5 Skitari, 2 Engine Seer. Il a 4 IK lui, hein. 4 IK, ouais, 3 Crusaders et un galant. Et un galant. Donc il y a un petit avantage, si c'en est vraiment un, c'est qu'il n'a pas supérieur à de la PA-2. Et je joue donc sur la table 3, donc je vous laisse voir au niveau des scénarios ETC, c'est une table qui a quand même pas mal de bloquants. Ouais. Donc je vais pouvoir bénéficier de pas mal de couverts en me plaçant correctement, ce qui m'évitera de consommer des PC. Et lui, il forcera à bouger pas mal. Et en contrepartie, bah, le canon thermique va bien me servir. Donc c'est pour ça, l'IK avec le canon thermique aura l'armure ionique sanctifiée, ce qui le fera à 2+. Et avec un couvert, du coup, ça le fait passer à 1+. Et sur sa PA-2, ça lui fera une 3+. Et là, il va vraiment devenir casse-pied pour lui, quoi, en fait. Il va être obligé de mettre beaucoup de ressources dans lui.
Et derrière, le Crusader qui aura la relique crasse qui permettra de faire plus de 1 dégâts sur le titanesque. Il n'aura pas le choix non plus que de ne pas l'ignorer parce que sinon, bah, la moindre sauvegarde ratée, ça va être punitif aussitôt. Quoi. La Gatling qui passe dégâts 4, les mitraillettes dégâts 3. Okay. C'est assez comique. Tu te vois plutôt sur un match-up positif? Positif, non, parce que si la T1 va me faire très mal, ouais. Mais. Match AT1 derrière... Du coup, match AT1, match AT1, je pense. Match mais je pense pas prendre 20-0 parce qu'en fait, les Blood Angels derrière vont pouvoir rattraper, ils sont assez petits, ils vont se cacher. Et je vais pouvoir y faire très mal, y casser les couilles, et j'ai une meilleure emprise map sur lui que lui quand même. Ouais, bien sûr. Donc, ça sera à voir. Si j'ai le T1 et que je fais un bon T1, ça risque d'être favorable. Ça peut très bien faire 20 comme ça fera 0. Okay. J'ai un peu de mal à me prononcer, c'est assez gamble quand même. Bon, en tout cas, on te souhaite bien bonne chance pour cette première expérience à l'ESC, bah, tout comme moi d'ailleurs. Mmh. Et merci à toi de t'être présenté, de nous avoir présenté ton armée. On se retrouve de toute façon, on te suivra et on te verra pendant cette ETC, cette ESC. Donc, on est reçu dans la brasserie de Père Castor. Ouais, des croustillants, la brasserie de la croustille. La brasserie de la croustille, c'est là où la croustille tire toute sa semence. ça vient d'ici. Donc ici, ils entreposent différents types de bouteilles qui est un peu leur élixir et leur source de puissance. Ah bah là, à partir du moment où on a des idées, quoi. C'est-à-dire ouais, que là... ce genre de dispositif un peu sommaire, mais somme toute... plutôt Pinot Gringo. Voilà. et donc du coup, bah, Père Castor nous fait visiter son vignoble. On va le découvrir avec vous de ce pas. On va aller voir. Oui, on va aller voir l'extérieur, évidemment. Allons-y. On fait visiter ce dispositif. On sort par où hein. On sort par là. On ne sait plus donner la tête dans le bordel. On ne sait que faire. Donc voilà, vous êtes dans le vignoble à Père Castor. Hein. C'est là la croustille, le vignoble de la croustille. Donc c'est là qu'ici ils font leur meilleur mets. C'est ici que Père Castor se sustente. Et il fait griller ses entrecôtes, ses ventrèches, ses saucisses, ses chorizo, toutes sortes de merguez, ça vient d'ici. Et une fois qu'il s'est sustenté avec ce bon genre de merguez, eh bien, il prend son petit verre de rouge, le Père Castor, et vous savez ce qu'il fait? Eh bien, comme tout bon hobbit à Hobbitbourg, d'abord il se lave les pieds sur ce petit robinet lavage de pieds, et ensuite il fait son petit plongeon hebdomadaire, matinal, et de minuit parfois complètement nu. Peut-être que sur Convert TV, vous découvrirez Père Castor complètement nu dans sa piscine. Non, voilà. J'ai des doutes. on a des doutes. Vous êtes donc sur Convert TV et chaque jour, vous en découvrez un peu plus sur le monde du Wargame.